Ah, monsieur, je suis maître Elhadj Aye Boune Malick Diop, greffier, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier, vous de la presse, qui ne ménagez aucun effort pour permettre aux oppressés d'exprimer leur opinion et leur position pour que nul n'ignore de leur souffrance. À l'entame de mon propos, je voudrais rendre un vibrant hommage aux forces de l'ordre, notamment à la police nationale, qui ce matin a fait preuve de professionnalisme et de patriotisme. Quel excellent service d'ordre. Ceci étant dit, nous voulons aujourd'hui que l'opinion sache que les hommes et les femmes qui travaillent dans le service public de la justice sont des marginaux du ministère de la justice. Ils sont victimes d'un mauvais plan de carrière. Ils souffrent de mauvaises rémunération et leurs préoccupations les plus profondes, les plus sérieuses, ne sont pas prises en compte par le ministre de la Justice. C'est fort de tout cela, c'est fort de tout cela que le syndicat des travailleurs de la justice a décidé de prendre sa destinée en main et de se battre pour l'amélioration de ses conditions d'existence, mais aussi pour la préservation de la dignité de ses membres. Mais aujourd'hui, nous faisons face à un gouvernement qui nous a accoutumés au non-respect de ses engagements et de sa parole donnée. En effet, nous avions rencontré le président de la République qui nous a donné sa parole, qui nous avait promis de prendre en charge toutes nos préoccupations majeures, qui avait fait au passage objet d'accord avec le gouvernement. Aujourd'hui, 8 mois se sont écoulés et il n'y a aucun fantôme de matérialisation des engagements que le président avait souscrit le 5 avril 2018 lors de l'audience qu'il nous avait accordée. Mais à l'analyse et au constat, nous avons compris que celui qui devait être notre avocat, celui qui devait prendre nos doléances en charge et les défendre au niveau du gouvernement, c'est celui-là, le ministre de la Justice, notre ministre de tutelle, qui est en train de poser des actes allant dans le sens de pourfendre toute la volonté politique exprimée clairement par le président de la République. Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous dire que notre espoir pour une vie meilleure est hypothéqué pour la simple raison que les 5 milliards 197 millions qui avaient été inscrits à la rubrique des dépenses de personnel du ministère de la Justice ont été torpillées par notre ministre qui est allé voir le président de la République pour lui dire que ça fait trop d'argent pour les travailleurs de la justice. Aujourd'hui, une loi de finances a été votée par l'Assemblée nationale. Il ne restait qu'à payer les dépenses qui ont été prévues, mais jusqu'à présent, rien n'est fait parce qu'il y a quelque part une main invisible animée par un esprit retors qui nous empêche de profiter de cette volonté que le président de la République avait exprimée. Et cette main n'est autre que la main du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaël Major Fall, avec ses collaborateurs qui sont animés par une certaine méchanceté corporatiste qui font qu'aujourd'hui, toutes les volontés politiques sont vaines au ministère de la Justice lorsqu'il s'agit d'améliorer les conditions de la justice. Monsieur le Président de la République,
tous vos engagements que vous avez pris devant nous sont vains. Nous n'avons même pas vu un début d'exécution. Il y a des forces obscures au niveau du ministère de la Justice qui ne veulent pas voir la matérialisation de vos promesses parce qu'ils sont animés par un esprit retors. Qui voudrait que les travailleurs de la justice soient dans la démotivation la plus catastrophique? Monsieur le Président de la République, nous avons foi en votre parole. Nous vous demandons de veiller à ce que vos engagements soient concrétisés, que les personnes qui ont la charge de les matérialiser s'en occupent pleinement. Maître, quels sont vos points de discorde avec votre ministère de tutelle? Notre principal point de discorde, c'est qu'il rame à contre-courant de nos propres intérêts. Nous ne cessons de le dénoncer. Le président... Notre principal problème... Notre principal problème avec le ministre de la Justice, c'est qu'il nous a accompagnés chez le président de la République, qui a exprimé une volonté politique forte de sortir les travailleurs de la justice dans la précarité dans laquelle ils travaillent. Mais depuis lors, nous avons constaté qu'il pose des actes allant dans le sens de pourfendre cette volonté. Le ministre du Budget avait inscrit 5,197 milliards dans la rubrique des dépenses de personnel du ministère de la Justice. Ça allait régler le problème de l'iniquité des rémunérations dans la justice. Mais nous avons appris de sources sûres, avec des preuves à l'appui, que c'est le ministre de la Justice, M. Ismaël Madior Fall, qui est allé dire au président de la République que ça fait trop d'argent pour les travailleurs de la justice. Il y a eu une révision à la baisse de ce montant et ça a fait l'objet d'un protocole d'accord pour qu'on paye ces indemnités à la fin du mois d'août. Et à la fin du mois de novembre, nous avions vu qu'il y avait eu une mise en solde de ces indemnités. Mais grande a été notre surprise. Le lundi 26 novembre, on a retiré la mise en solde. C'est pour cela que nous exigeons du gouvernement et du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, qu'on nous rembourse les sommes qu'on a reprises de nos salaires. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas signer un protocole d'accord et commencer le début de l'exécution et de manière cavalière retirer ces sommes. Il y a lieu aussi de fustiger l'attitude du ministre de l'économie et des finances, parce que pour un début d'exécution du protocole d'accord qui avait été signé le 17 août, monsieur le ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances a ordonné le retrait, je dis le retrait de la mise en solde qui avait été effectuée. C'est pour cela que nous demandons à monsieur le ministre de l'économie et des finances de procéder au paiement des sommes qui nous ont été ponctionnées. Ce n'est pas sérieux, c'est scandaleux. Ça ne peut pas se passer dans un état de droit, dans un état de gouvernance vertueuse. Nous exigeons le paiement conformément, le paiement des indemnités conformément aux termes des protocoles d'accord. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos pour vous dire qu'au terme du protocole que nous avons déposé, les travailleurs de la justice iront en grève vers une grève illimitée et les désagréments qui seront causés aux usagers seront imputables à ce gouvernement. Je voudrais, à la fin du préavis, c'est-à-dire le 27 décembre, je voudrais au passage saluer mon camarade, le secrétaire général du SITSAS, Mbalodiak Thiam, qui a pris la peine de venir nous accompagner dans cette marche pacifique et qui montre son ancrage et sa solidarité au sein de l'ULSAS, qui est notre centrale mère.
Mesdames, messieurs, plus tard que c'est ces mots que j'avais à dire. Maître, pas plus tard que hier. Dans le dialogue de sourds, tout en sachant que le ministre de la Santé lui-même a dit que la mise en œuvre de vos revendications, c'est la justice. La mise en œuvre mais ce ne sera pas effectif. Je dis que. Mais les accords vont être respectés. Nous n'accordons. Nous n'accordons aucun crédit à la parole de Ismaël Major Fall parce qu'il nous a maintes fois dit des choses qui ne sont pas vérifiées. Ce n'est pas par manque de respect, mais nous sommes obligés à avoir cette posture. Parce qu'à chaque fois qu'il s'engage à faire quelque chose pour nous, en vertu des engagements du président de la République, nous nous trouvons toujours dans une situation de désappointement. Nous disons aussi, ce n'est pas sérieux qu'un État signe un protocole d'accord et au dernier moment dire que nous ne serons pas en mesure de payer. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est dire que l'État n'est sincère à rien. Le principe de sincérité du gouvernement est violé et bafoué.